Bienvenue au PNUD Mali. Je suis Aboubacar Koulibaly, directeur pays du PNUD ici. Je suis arrivé en octobre 2017. Ce bureau travaille dans un contexte sécuritaire difficile depuis 2012, malgré le contexte de sécurité. Des efforts ont été faits pour améliorer les conditions de travail, le bien-être du personnel. Une crèche a été réalisée pour permettre aux jeunes mamans de garder les enfants et d'être plus productifs. La crèche est vraiment une très 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 bonne idée du PNUD parce que ça nous permet à nous les mamans d'amener nos enfants pour toute la journée. On a la possibilité de les surveiller. Avec la crèche au PNUD, on a toujours nos heures de tétée. On peut passer, vérifier ce qui ne va pas, les donner à manger et jouer un peu avec eux pendant 5 minutes et repartir dans son bureau pour travailler. C'est vraiment une merveilleuse expérience et on est vraiment très satisfait. C'est rassurant de savoir que la crèche est juste à côté de la clinique. Donc quand il y a quelque chose, il y a le docteur à côté qu'on peut voir. Donc ça, c'est vraiment un atout en fait. Vous savez, quand on a eu l'Ebola qui a éclaté dans la sous-région, nous avons eu beaucoup de moyens qui nous ont permis d'équiper notre clinique. Et la clinique des Nations Unies aujourd'hui, qui est logée au sein du PNUD, étant une clinique très très performante, qui d'ailleurs attire tout le personnel du système des Nations Unies, et des médecins performants, des infirmiers performants, mais aussi des équipements performants. Nous avons aussi mis à disposition une salle de sport, une salle de gym complètement équipée, disponible gratuitement pour le personnel. Et une histoire que je vous raconterai, c'est que nous avons un chauffeur qui est diabétique et qui aujourd'hui a réussi à ne plus prendre d'insuline parce qu'il arrive à avoir une activité sportive de 30 à 45 minutes par jour. Notre objectif, bien entendu, c'est d'assurer un positionnement stratégique du PNUD sur des thématiques qui sont prioritaires pour le pays, mais aussi offrir au personnel du PNUD un cadre idéal de travail qui leur permettrait d'exprimer tout leur potentiel. On le fait à travers des activités sportives, des activités culturelles. Ce match, c'est dans le cadre du renforcement de la cohésion au sein du système des Nations Unies avec les différentes agences. On a joué aujourd'hui, ce n'est pas la première fois, on a joué contre la Banque mondiale la semaine dernière, on a joué contre l'OIM, ce sont toutes les agences des Nations Unies. C'est une activité de détente à la fois qui permet la cohésion entre les différentes agences des Nations Unies. Vraiment, le match ça s'est très bien passé. Je félicite le PNUD parce que vraiment, on dirait que c'est une équipe qui s'entraîne tous les jours. Vraiment, félicitations au PNUD. Et aujourd'hui, au niveau du PNUD Mali, nous avons un set d'applications qui sont disponibles en ligne qui permettent d'une part à nos staff de travailler de la maison, d'avoir accès aux ressources informatiques que nous avons, qui permet à nos staff de terrain de pouvoir communiquer avec nous au niveau des transactions financières. Et un success story que nous avons, c'est que nous avons des bureaux aujourd'hui de d'autres pays du PNUD que nous arrivons à gérer à distance à partir de ces applications-là. La productivité aussi, c'est créer un espace de confiance entre le personnel et l'équipe du management pour mettre en place un cadre de confiance à travers des échanges dans des réunions, mais aussi le jeudi du savoir que nous lançons. Le jeudi du savoir, la particularité ici au Mali, c'est que ça ne se limite pas seulement au personnel du PNUD, nous étendons ça à nos partenaires, pour faciliter la communication et l'apprentissage collectif, aussi bien des partenaires que le personnel du PNUD, sur les thématiques prioritaires sur lesquelles le programme est axé. Nous allons créer un espace où la réflexion intellectuelle vient compléter nos appuis programmatiques en vue vraiment de doter
notre personnel de l'expertise et aussi d'une certaine ouverture d'esprit par rapport à d'autres thématiques qui ne sont pas tellement de thématiques liées à leur travail de tous les jours et aussi les préparer aussi à des perspectives et des opportunités beaucoup plus de conseils stratégiques. On est conscient de ce que l'organisation nous demande, mais aussi, je pense qu'il faut aussi souligner que nos personnels doivent vivre dans un climat décent, travailler dans un climat qui leur plaît, malgré les difficultés qu'on peut éprouver au niveau de l'insécurité, au niveau de la crise qui s'est vue au Mali, tout en pensant bien sûr qu'il y a une crise, mais une crise peut toujours avoir sa fin. Mais au moment où nous sommes en train de traverser cette période difficile, que le personnel se sente à l'aise et puisse produire des résultats, mais dans un climat décent.